Salut à toutes et à tous, cette semaine dans la chronique, on va s'attaquer à du lourd, du très très lourd, puisqu'on va parler de la société Konami. Alors je vais tenter de vous présenter cette grande entreprise développeuse de jeux vidéo depuis presque 40 ans, en vous montrant un maximum d'images de ses jeux. Alors j'ai téléchargé une centaine de vidéos pour réaliser le montage, pas sûr que j'arrive à tout caser, donc il y aura de nombreux oublis, car la liste des jeux Konami est hallucinante et dépasse facilement les 200 titres sans compter les différents portages sur chaque console de chaque époque. Alors je veux surtout vous donner une vidéo la plus complète possible sur Konami, qui a une histoire très longue mais intéressante et qui est représentative de l'évolution du jeu vidéo depuis 40 ans. Car si Konami existe encore, c'est qu'ils ont su faire évoluer l'entreprise en fonction des avancées technologiques, en réalisant toujours plus de jeux, ne négligeant pas, enfin pas toujours, la qualité, et surtout comme beaucoup d'autres entreprises, en exploitant au maximum leur licence phare au fil des années. Alors c'est pour ça que la vidéo sera découpée en deux parties. Bref, on commence en 1969, Konami est créé par 4 japonais à Osaka, par Kagemasa Kozuki, Yoshinobu Nakama, Hiro Matsuda et Shokichi Ishihara, à tes souhaits. En reprenant les premières lettres de nom de famille, on obtient Ko, Na, M et I, Konami. A noter que le fondateur de Konami, Kozuki, est encore président de l'entreprise à l'heure actuelle. Alors comme Sega, son histoire débute en réparant et en louant des jukebox très à la mode au Japon, mais se dirige peu à peu dans le domaine des jeux vidéo en commençant à construire leur propre système d'arcade dès 1973 grâce à la généralisation du microprocesseur, mais ne produit pas encore de jeux vidéo. De nombreuses sociétés japonaises se lancent dans ce secteur à cette époque, que ce soit Sega, Taito ou Capcom. C'est en 1978 que Konami va produire son premier jeu, qu'ils exporteront avec succès aux États-Unis, ce sera Block Game, suivi juste après de Block Invader. L'année suivante, ce seront pas moins de 3 jeux, Space King 1 et 2, et Space Wars, qui ne sont en fait que des clones de Space Invaders. L'aventure Konami va vraiment débuter en 1980 avec la sortie de Scramble, qui est une révolution dans le style shoot'em up horizontal, car le vaisseau peut se diriger soit vers la droite, soit vers la gauche. Il inspirera de nombreux jeux Konami par la suite, ainsi que d'autres créés par Taito ou Sega. Konami exploite alors deux systèmes d'arcade, le fameux Scramble, qui se verra doté d'une bonne quarantaine de jeux, comme Super Cobra, et d'autres développeurs voudront éditer leurs jeux sur ce support. Le deuxième système est le Z80, qui comptera 8 jeux, dont Frogger, puis plus tard Puyan. Frogger, donc, qui sort en 1981, est un gros succès. Le principe du jeu est simple, non violent, au contraire des shooters avec des graphismes mignons et colorés. L'histoire est intéressante puisque Frogger a lié Konami et Sega pour l'exploitation du jeu. Alors Sega est en fait l'éditeur du jeu. Seulement voilà, les contrats sont assez flous sur les suites et les portages sur d'autres supports entre les deux concurrents. Cela aura des conséquences importantes pour Sega puisque ce sera le point de départ de nombreux conflits avec Konami. Ainsi, la SG-1000 puis la Master System de Sega ne verront quasiment aucun jeu Konami porté. Cela se régularisera avec la Mega Drive, mais on y reviendra un petit peu plus tard. En attendant, Konami multiplie les titres hein, tels que Strategy X, Ultra Dome, Jungler, Turban ou encore Tactician. L'heure est à la profusion des jeux et non à la qualité. Le développement d'un jeu est rapide et peu coûteux et peut très vite être très rentable s'il est bien exploité sur les bornes d'arcade et Konami commence à se faire une place sur le marché des jeux vidéo. Alors en 1982, Konami of America est créé pour exploiter ses systèmes d'arcade et ses jeux sur le continent nord-américain, alors en pleine effervescence vidéoludique. Beaucoup de jeux se ressemblent, c'est la mode des clones, hein, des jeux de mauvaise qualité, une des raisons qui provoquera d'ailleurs le crack du jeu vidéo aux États-Unis en 1983. Mais Konami se démarque bel et bien avec par exemple Puyan, un shoot'em up enfantin dans lequel on dirige une maman cochon qui doit protéger ses petits contre de dangereux loups. Konami vient tout simplement de créer les Cute Games, des jeux vidéo tout mignons, un style repris par d'autres comme Taito ou Namco. Konami sort également Time Pilot, un shooter original grâce à la liberté de mouvement dans les niveaux, qui se déroule chacun à une époque différente, avec donc des vaisseaux ennemis de plus en plus perfectionnés, la difficulté allant croissante, un concept nouveau, et la réputation de Konami augmente grâce à sa créativité. Konami confirmera l'année qui suit, en 1983, en sortant Rock'n Pop ou Tutankham, des jeux qui marquent plus ou moins leur époque, la plupart sont édités par Stern et plus par Sega. Alors par contre, Hyper Olympics marquera plus les esprits.
En 1980, les États-Unis ont boycotté les Jeux Olympiques de Moscou. En 1984, ils auront lieu à Los Angeles. Alors, entre ces deux dates, le concept olympique est peu vendeur aux États-Unis, si bien que Hyper Olympique devient Track and Fields, qui est un remake du jeu Decathlon, en proposant plusieurs épreuves d'athlétisme. Ce jeu est emblématique par son gameplay et surtout par sa façon de jouer à cause du martèlement frénétique des deux boutons de tir pour faire avancer les sportifs à l'écran. Le jeu est assez réaliste et amusant et est un très bon succès pour Konami. Alors entre les cute games, les shoot'em up et les jeux de sport, Konami devient un acteur incontournable dans le secteur grâce à l'excellente jouabilité des titres ainsi que sa difficulté bien dosée dans chaque jeu. En 1983, Konami développe d'autres jeux tels que Megazone, Badlands ou encore Juno First, un autre shooter, et dépoussière un peu le concept du jeu Tempest sorti en 1981 en sortant Gyrus, ce qu'on appelle des tube shooters, un jeu de tir à perspective 3D dans lequel les ennemis arrivent au centre de l'image dans une trajectoire circulaire. L'année 1983 est surtout marquée au Japon par l'arrivée du MSX, qui est en fait un standard de micro-ordinateur pour le grand public. Les MSX avaient la particularité d'être produits par n'importe quel constructeur et étaient compatibles entre eux pour le matériel et les logiciels. Alors Canon, Casio, Sony, Panasonic ou Toshiba en fabriqueront, et Konami produira également son propre MSX sur lequel une bonne centaine de jeux Konami y seront portés. C'est en 1984 que Konami commence sérieusement à exploiter son MSX avec des jeux comme Circus Charlie ou Road Fighter. La plupart des jeux portés sur MSX sont d'ailleurs de qualité quasi équivalente aux jeux d'arcade, ce qui est d'ailleurs assez exceptionnel pour l'époque. Afin de concurrencer Pengo de Sega, Konami sortira Antarctic Adventure, un jeu au concept original mêlant course en 3D et plateforme, créant ainsi une nouvelle mascotte pour la firme, le pingouin Pentaru. Time Pilot 84 sort également en arcade cette année-là, avec une amélioration graphique de l'opus précédent. On passe à 1985, Nintendo entre dans le secteur des consoles de salon avec la NES, et Konami va s'en rapprocher fortement pour porter la plupart de ses jeux. Ce sera d'ailleurs un des points forts de Konami, sa capacité à porter ses jeux d'arcade sur le plus de supports possible, que ce soit la NES, le MSX, mais aussi le CPC, Commodore 64 ou le ZX Spectrum, et ce à chaque génération de consoles qui suivront, chaque console aura droit à sa version, souvent similaire, parfois des titres exclusifs à une console. En tout cas, Konami aura vu juste avec Nintendo et sa NES, qui est en quasi-monopole dans de nombreux pays. Alors même si les développeurs doivent payer des royalties à Nintendo, l'affaire est tout de même juteuse pour les développeurs. Pour l'heure, 1985 voit la sortie de Yi-R Kung Fu, qui sera un titre original dans son gameplay dans le style jeu de baston, qui ne sera pas les années suivantes le genre favori de Konami, laissant la place à Capcom ou SNK par exemple. Green Beret, le premier beat'em all célèbre de Konami, sort, connu sous le nom de Russian Attack aux États-Unis, qui connaîtra de nombreux portages et un énorme succès, qui lance ainsi une vague de jeux similaires, un petit mélange entre Run and Gun et beat'em all, ce qu'on appellera plus tard les Contra-like, à la différence des jeux de plateforme classiques. Alors à chaque année, son gros hit de Konami, cette année-là ce sera la création de Gradius, le nouveau standard d'arcade de Konami se nomme Nemesis, et verra une dizaine de jeux dont Gradius, Salamander ou Twin Bee, en tout cas ce qu'on peut appeler les shooters nouvelle génération devant l'originalité des gameplays. Gradius par exemple sera un gros succès de vente, un jeu influencé par Scramble, mettant en scène le vaisseau Vic Viper à travers 7 niveaux ponctués par un boss. Avec surtout le concept d'armement évolutif grâce à de nombreux power-ups laissés par les ennemis détruits afin d'upgrader les capacités de son vaisseau. Alors le jeu R-Type d'IREM reprendra un petit peu les mêmes principes, et finalement R-Type et Gradius seront deux shooters concurrents à très forte influence dans le genre. Gradius sera porté sur de nombreux supports et se verra décliné en de nombreuses suites sur à peu près toutes les consoles. C'est d'ailleurs à l'occasion du test du portage sur NES de Gradius qu'a été utilisé pour la première fois le code Konami, créé par Kazuhisa Hashimoto. Il trouvait le portage NES trop difficile et créa donc un code à réaliser en appuyant sur certaines touches de la manette afin d'obtenir un ensemble de power-up. Le cheat code n'a finalement pas été retiré sur la version finale, le Konami code sera repris ensuite dans de nombreux autres jeux Konami, comme dans Contra qui donne 30 bits supplémentaires. Le Konami code sera également utilisé par d'autres en tant que clin d'œil, easter egg, est entré dans la culture populaire et repris aussi dans le domaine de la musique, dans les paroles principalement. Alors l'année 1986 est marquée par le changement de logo de la société et par l'arrivée d'Hideo Kojima en tant que chef de projet. Il deviendra une figure emblématique de Konami. Enfin actuellement, mars 2015, des rumeurs circulent sur son départ. La production vidéoludique de cette année 1986 sera très prolifique. Alors chaque année, je ne sais pas trop par quel jeu commencer. Alors on va commencer par Konami's Ping Pong, un petit jeu de ping-pong sur arcade, MSX, Amstrad CPC, Commodore 64 et ZX Spectrum. Ensuite, on a Salamander, un shoot'em up au graphisme impressionnant, qui est une sorte de dérivé de la série Gradius, alternant scrolling vertical et scrolling horizontal. Toujours dans la lignée de Gradius, Konami sortira Twin Bee, en conciliant shoot'em up et cute game. Double Dribble sera un des premiers jeux de basket qui obtiendra un bon succès.
Konami se lance aussi dans les jeux de voiture avec d'abord Konami GT, un des premiers jeux de course automobile 3D, ainsi que WEC Le Mans, qui ne sera pas trop un succès malgré la licence officielle des 24 heures du Mans. La concurrence est rude à ce niveau, hein, Sega et son Hot Run font des ravages. Mr. Goemon, appelé aussi Gumball Goemon, sort également en 1986. Ce sera une série de jeux fortement exploités par Konami au fil du temps. Il s'agit en gros de jeux de plateforme auxquels s'ajoutent des éléments d'aventure et de RPG, dans un univers de style Japon médiéval folklorique, avec à chaque fois des musiques rythmées, de l'humour parfois très décalé, très japonais, et beaucoup d'autodérision. Toutes les consoles verront un jeu, parfois plusieurs, tant le concept et l'originalité du jeu plaît aux joueurs. Et alors si vous pensiez que l'année 1986 est terminée, vous vous trompez car Konami va créer un jeu qui sera une des licences les plus connues et les plus exploitées du monde vidéoludique. Je veux bien sûr parler de Castlevania, qui est en fait la contraction de Castle of Transylvania, puisque le jeu s'inspire du roman de Bram Stoker, Dracula. Alors d'ailleurs le titre original japonais s'appelle Akumaju Dracula. Le jeu sortira sur la Famicom de Nintendo en exclusivité, mais quelques semaines plus tard sortira Vampire Killer sur MSX2 qui est un clone de Castlevania, sauf que celui-ci s'oriente plus dans l'exploration que dans l'action plateforme. Alors de toute évidence, la série Castlevania sera un immense succès dès son premier jeu. La série comptera au total 17 jeux sur console de salon et pas moins de 11 jeux sur console portable jusqu'à aujourd'hui. Castlevania à chaque jeu sera en quelque sorte une vitrine technologique, montrant un peu ce qu'un grand concepteur de jeux vidéo comme Konami peut faire en exploitant au mieux son support, avec toujours de sublimes graphismes et un gameplay au top. 1986 est une grosse année, Konami sortira de nombreux autres jeux, Nightmare, Penguin Adventure, Inotori, King Kong 2, Iron Horse, Jailbreak, Top Gunner, Usas ou encore Maze of Gallius, des jeux qui ne seront pas tous des succès, mais on voit que Konami ne lésine pas sur sa prolifique production de jeux vidéo. Alors c'est ainsi que l'on passe en 1987, Konami ne freine absolument pas sa production de jeux vidéo avec deux titres phares. On commence avec Contra, renommé Probotector en Europe, suite à une loi de censure contre la violence instituée par l'Allemagne, et renommé Grisor pour les versions sur micro-ordinateur. Il s'agit d'un jeu d'action de type run and gun qui sera un immense succès, converti sur une multitude de supports de l'époque. Le deuxième jeu important de 1987, c'est Metal Gear, créé par Hideo Kojima sur MSX2, qui sera le premier d'une très longue série. Il s'agit en fait d'un jeu d'action militaire, Kojima expliquera que pour pallier aux restrictions techniques du MSX2, cela l'a amené à imaginer un concept de jeu alternatif, basé sur la notion de fuite plutôt que sur le combat, limité par le nombre d'affichages d'ennemis à l'écran. Alors Metal Gear devient ainsi un des précurseurs du jeu d'infiltration, même si celui-ci possède de nombreux défauts de gameplay, alors surtout sur sa version NES qui est moins bien réussie, mais le concept d'infiltration est lancé, les scénarios de plus en plus riches et surtout la personnalité d'Hideo Kojima, très influencée par le cinéma, vont faire de cette série une série connue et reconnue encore aujourd'hui. Alors 1987 sera encore une fois une grosse année pour Konami, qui multiplie le nombre de titres sortis, d'abord en arcade, qui devient une sorte de laboratoire pour faire découvrir des jeux, puis ensuite les porter le mieux possible sur console et ordinateur. Konami ne sera pas le seul d'ailleurs, ses concurrents comme Capcom, Sega ou Taito feront de même. Cela est d'ailleurs très représentatif de cette époque, l'arcade est un champ d'exploration pour créer de nouveaux concepts, de nouvelles idées. Si le succès arrive, le jeu est ensuite porté. C'est une chose qui n'existe plus aujourd'hui, il n'y a plus de laboratoire pour expérimenter ces jeux comme l'arcade le faisait à l'époque. Bref, 1987, de nombreux jeux, citons Top Gun, puis The Goonies 2, deux licences cinématographiques acquises par Konami. Puis il y aura ensuite Stinger, Combat School, Batlantis, Flash Attack, Devil World, Hyper Crash, Fastlane, City Bomber, Labyrinth Runner, Dark Adventure ou encore Rack'em Up, une des rares simulations de billard en arcade. On passe à 1988, Konami va entrer à la bourse de Tokyo et le succès de la NES est immense à travers le monde, y compris donc pour Konami qui porte tous ses jeux sur la console de Nintendo. Alors le problème c'est qu'à cette époque Nintendo limite aux développeurs un maximum de 5 jeux par an. Konami va pallier ce petit problème en créant deux filiales, Ultra Software aux États-Unis et Palcom Software en Europe, afin de produire 3 fois plus de jeux sur la NES, alors une technique employée par d'autres développeurs de jeux vidéo également. Au niveau des jeux vidéo, Castlevania 2 Simon's Quest sort sur NES, et n'étant pas du tout un jeu d'arcade, Konami sort quand même un épisode sur arcade, Castlevania Haunted Castle. Konami, spécialiste des shoot'em up, continue son ascension dans ce genre avec Gradius 2 ou Thunder Cross en arcade. C'est aussi la sortie de Parodius sur MSX, un shooter reprenant le concept de Gradius, mais dans un univers cute game à l'ambiance très décalée et surtout très parodique. Le jeu reprend le Vic Viper de Gradius, mais aussi des vaisseaux sous forme de mascottes de Konami tels que Twinbee ou Pentaru, ainsi que Octopus, un personnage créé exclusivement pour le jeu. Parodius ne sera commercialisé qu'au Japon, il faudra attendre 2 ans pour voir débarquer en Occident ce hit, Parodius Da No Sense Fantasy, un excellent shooter faisant la part belle à la culture japonaise, toujours aussi décalée et délirant.
C'est en 1988 que la production de Konami en arcade commence à se ralentir au profit de la NES. Il existe beaucoup de sorties en arcade quand même, mais peu de jeux seront mémorables. Il y a donc Devastator, un jeu de tir en 3D, Main Event, un jeu de catch, Ajax, un jeu d'action militaire, Kitten Caboodle, Hot Chase, Gangbusters, Super Contra, Skate or Die, Blades of Steel ou Jackal entre autres. Konami commence à exploiter ses licences en termes de séries avec Castlevania, Track and Field, Contra et plein d'autres. Cette pratique existe encore aujourd'hui chez Konami et d'autant plus chez tous les développeurs de jeux vidéo. La raison principale, c'est que les jeux vidéo commencent à coûter de plus en plus cher à produire et afin d'assurer ses investissements et être une entreprise rentable et profitable, la prise de risque devient de plus en plus faible. Mis à part ça, féru de cinéma et de scénarios importants dans les jeux vidéo, Hideo Kojima concevra Snatcher, un jeu vidéo d'aventure, un genre de roman graphique interactif, reprenant les thèmes de diverses œuvres de science-fiction et de cyberpunk comme Blade Runner ou Terminator, un jeu exclusif au Japon, sauf sur sa version Mega CD en 1994, qui sera traduite et distribuée hors du Japon. On passe à 1989, un phénomène nouveau va envahir la planète, ce sont les Tortues Ninja, ces tortues karatéka mangeuses de pizza. Konami va acquérir la licence pour l'exploiter en jeu vidéo. Le jeu The Teenage Mutant Ninja Turtle sortira en arcade et proposera un beat'em all jouable à 4 et remportera un énorme succès à tel point que Konami ne pourra suivre les commandes et fournira ainsi un kit pour transformer n'importe quelle borne en borne Tortue Ninja. Sur NES, Konami sortira cette année The Adventure of Bayou BD, un jeu comprenant des niveaux de style beat'em all, d'autres de shoot'em up et deux autres de course de jeep. Il y aura aussi Crime Fighters, un jeu d'arcade beat'em all dans lequel un officier de police doit secourir des filles qui ont été kidnappées. Alors le jeu vient concurrencer Final Fight de Capcom, mais c'est plutôt un échec. Le jeu est jouable aussi à 4 comme les Tortues Ninja. Les jeux vidéo d'arcade jouables à plusieurs sont très à la mode à cette époque. D'autres jeux en 1989, Q-Brick, Black Hole, MIA, Space Manbow, ainsi que Metal Gear 2 Solid Snake sur MSX2. En 1989, c'est surtout la sortie d'une nouvelle console, la Game Boy de Nintendo, qui connaîtra un énorme succès. Konami ne va pas rater le coche en proposant trois jeux cette année-là, Castlevania Adventure et Castlevania 2 Simon's Revenge, ainsi qu'un jeu de moto façon plateforme avec Motocross Maniacs. Et c'est ainsi que va s'achever cette première partie de l'histoire de Konami, avant d'enchaîner sur la nouvelle décennie, les années 90, dans laquelle Konami nous offrira encore beaucoup de surprises. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis donc à la semaine prochaine pour la seconde partie. Ciao !